Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. De ce que tu prends contrôle. De ce que tu règnes au milieu de nous. Merci Dieu de gloire. Parce que ton sceptre est élevé. Et ton nom est sanctifié au milieu de nous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous lui disons merci pour cette opportunité qu'il nous donne à demeurer en sa présence. Notre troisième jour de jeûne. Alléluia. Amen. Nous le bénissons parce que nous savons que nos vies ne seront plus jamais la même chose. Donc nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur. Et nous aurons pour thème ce soir. Alléluia. Amen. Le mandat. Alléluia. Le mandat royal de Christ. Christ au fait. Ou encore le mandat de Christ pour notre royauté. Alors Christ peut guider si alors mi après si a loupé. Nous rendons gloire à l'Éternel. Bien qu'on aussi qu'on a appelé toi. Pour que un être humain. N'ebe à megbeton. Et un esprit puisse cheminer ensemble. Il y a, alléluia, des lois, des décisions, des décrets qui conditionnent cette relation. Toute relation entre un individu et un esprit se base sur des préalables qui sont comme une sorte de alléluia contrat. Amen. Et le contrat qui réunit un individu a un esprit reçoit souvent le nom de pacte ou d'alliance. Et derrière tout pacte et toute alliance se trouve ce que nous appelons un mandat. Un individu qui rentre dans une alliance ou qui signe un pacte avec un esprit. À
accorde à un esprit un mandat. Amen. Amen. Accorde à un esprit un mandat. Et le mandat donne droit légal à cet esprit d'opérer. Et chaque esprit qui opère dans la vie d'un individu a deux mandats qui sont des mandats fondamentaux. Amen. Amen. Quand nous prenons un démon, un démon qui opère dans la vie d'un être humain, opère sur la base de l'alliance qui le relie avec cette personne. C'est-à-dire quand quelqu'un va auprès des charlatans, par exemple. Alléluia. Amen. On lui dit de parler lui-même. Et de dire ce qu'il veut. Donc il pourra dire à l'esprit, je suis venu me confier à toi. Que voilà, tu protèges moi et ma maison. Tu deviens le maître de cette maison. Alléluia. Amen. Il y a une sollicitation de la part de cet individu. Il sollicite l'esprit. Il donne, alléluia, une approbation à l'esprit. Pour que l'esprit la opère dans sa vie, dans la vie de ses enfants. C'est un mandat qu'il confère à l'esprit. Et cela devient une alliance entre lui et l'esprit. L'esprit légalement peut se baser sur cette parole-là et opérer dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. C'est le premier mandat. Le second mandat. Quand l'esprit là quitte son royaume, c'est un royaume organisé qui a un chef. Le chef du royaume démoniaque, c'est le diable en personne. Le diable aussi a un mandat pour chaque esprit. Et toi, quand tu vas, c'est ce que tu dois faire. Toi, quand tu vas, c'est ce que toi tu dois faire. Toi, quand tu vas, c'est ce que tu dois faire. Donc l'esprit tient un mandat de Satan. Et l'esprit tient un mandat de celui qui se donne à lui. Donc chaque démon a deux mandats. Alléluia. Amen. Et le second mandat qui est le mandat qui vient du diable, c'est le mandat qui est le plus dangereux. Parce que c'est un mandat de destruction. Mais ça là, ça ne se dit pas entre l'individu et l'esprit. Mais ça se dit entre Satan et l'esprit. Alléluia. Donc l'esprit exécute l'ordre satanique. Et il exécute aussi les termes de l'alliance. C'est pourquoi quand un démon rentre dans une famille, il fait du bien par le mandat que lui confère l'alliance. Et en même temps, il détruit par le mandat que le diable lui a donné. Donc le diable
diable souffle, les démons, les vaudous soufflent le chaud et le froid. Ils te détruisent et ils te disent on va te sauver. Ils te protègent aujourd'hui. Tu vois qu'il a travaillé pour toi et c'est lui-même qui te détruit encore. Il détruit tes enfants. L'esprit là que tu as pris, l'esprit des eaux là, pour pouvoir prospérer, le même esprit va détruire ton foyer, le même esprit va détruire la vie de tes enfants, le même esprit va t'attaquer dans différents domaines parce qu'il tient deux mandats. De même, en Christ, le Christ au Mela, Jésus-Christ aussi a des mandats pour nous. Jésus-Christ au rando gbeda si on me venami. Quiconque rentre en alliance avec Dieu. Amen. Si elle est guérie, nous babla me coule maoula. Alléluia. Amen. Si c'est avec Jésus. N'ayez pas peur, Jésus ya. Amen. Amen. C'est pourquoi nous confessons Jésus. Et nous mentimi vous na Jésus medo. Tu parles toi-même. Pour donner à Jésus un mandat sur ta vie. Alléluia. Amen. Ça devient un engagement réciproque. Par lequel, volontairement, tu te soumets à Dieu. Et Jésus détient la clé de ta vie. C'est pourquoi quiconque vient vers le Seigneur, on lui dit de confesser Jésus. La confession de Jésus nous permet d'accorder un mandat à Christ sur notre vie. Et ça comporte des parties importantes. Je reconnais que tu es Seigneur Sauveur, que tu es venu mourir pour moi. Alléluia. Amen. La reconnaissance de la seigneurie de Dieu Christ ou de Jésus. Deuxième chose. Alléluia. Amen. 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 Je me confie à toi pour que tu deviennes le chef, le maître, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ça, c'est la partie où tu soumets ta vie. Tu lui donnes le mandat. Alléluia. Amen. Afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il vienne régner dans ta vie. Afin qu'il soit le Seigneur de ta vie. Afin qu'il soit le Sauveur de ta vie. Alléluia. Amen. 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 Et tu peux aussi exprimer tes souhaits par rapport à tout ce que tu veux faire aussi pour lui. Amen. Amen. Et par rapport à ce que tu veux qu'il fasse aussi pour toi. Mais ça là, ça peut varier. Mais la phase importante, c'est de reconnaître sa seigneurie, le fait qu'il est mort pour toi, son sacrifice à la croix, et le fait de se soumettre à lui, en lui donnant ta vie, c'est-à-dire en lui accordant un mandat sur ton corps, ton âme, ton esprit. Pourquoi nous recevons Jésus? On ne le reçoit pas parce qu'on veut le recevoir. Mais c'est pour accorder à Christ un mandat qui lui donne droit légal d'être ton maître, de s'impliquer dans ta vie, de dire à Satan qu'il n'a plus sa place là-bas, que c'est lui le nouveau maître, parce que tu lui as donné le mandat. Si tu ne lui as pas donné ce mandat là, oh, que c'est à Satan tu avais donné un mandat. Comment tu peux, Jésus-Christ peut déloger Satan dans ta vie? Si tu avais donné un mandat à Satan,
Mais maintenant tu n'as pas donné un mandat à Christ. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai mis la vie et la mort, le bien et le mal devant toi. Mais je désire que tu choisisses le bien et que tu vives. Donc c'est pas un Dieu qui nous force. Comme Mahomet l'a vu. L'ange de Dieu est venu le forcer. Pour l'étrangler. Il lui a dit de réciter des versets. Non. Non. Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, Abraham n'a jamais étranglé personne dans la Bible. Pour que la personne la puisse l'adorer. C'est le libre consentement. Alléluia. C'est le libre consentement. Tu consens. Tu acceptes volontiers. Tu donnes ta vie en lui donnant le mandat. Mais en dehors de ce mandat-là, qui lui donne pouvoir sur ta vie. Alléluia. Amen. Et qui lui donne pouvoir sur tout ce qui est dans ta vie, y compris le diable. Alléluia. Amen. 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 Il tient aussi un mandat de la part de Dieu pour nous. À part le mandat que toi-même tu lui donnes. Je veux que tu sois ceci, cela dans ma vie. Il tient un mandat de la part du Père. Le Père a donné des consignes te concernant. Le Père a donné des ordres te concernant. David dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et sur ton livre est inscrit tous les jours qui me sont destinés. Avant même que nous ne naissions, le Seigneur a un livre pour ta vie. Tout ce qui doit se passer, tout ce qui doit avoir lieu. Maman, avant même que tu ne naisses, comment sera ta fin est déjà écrite. Avant même que tu ne naisses, comment sera ton règne est déjà écrit. Je dis avant même que tu ne naisses, comment doit être ton élévation est déjà écrit. Avant même que le jour ne soit, ce que tu dois être est déjà inscrit. C'est le mandat divin concernant ta vie. Que quelqu'un dit le mandat divin. Le mandat divin doit rassurer quelqu'un. Le mandat divin doit te rassurer. Le mandat divin doit te donner l'assurance. Alléluia. Amen. Parce que quand le mandat divin est là, tu peux partir en captivité. Tu peux partir en prison. Tu peux tomber malade. Tu peux même mourir. Et on dit il est déjà mort. Quand le mandat dit, alléluia, amen, que tu iras de l'autre côté du Jourdain, la puissance de Dieu viendra pour te ressusciter et te ramener à l'autre bord. Quand le mandat qui est écrit sur toi n'est pas encore accompli, que le mandat divin s'accomplisse dans ta vie dès à présent, au nom puissant de Jésus. Je n'écoute pas quelqu'un dire amen. Amen. Il
Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Projet de paix et non de malheur, afin de t'accorder de l'avenir et de l'espérance. Dieu a un projet de bonheur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la souffrance ne doit pas te tromper. Les batailles ne doivent pas te tromper. Les combats ne doivent pas te tromper. Souvent, les batailles et les combats viennent pour nous former pour la gloire future, afin de rentrer dans le plan divin. Des fois, on a besoin de l'entraînement, on a besoin de la formation, on a besoin de l'abnégation, on a besoin de la tempérance et les épreuves. Et les combats sont comme du feu qui vient nous fondre pour faire sortir l'éclat de l'or que le Seigneur a mis en nous. Je crois à quelqu'un dire amen. Amen. Que les souffrances d'aujourd'hui ne te trompent pas. Parce que la souffrance n'a pas le dernier mot. Parce que, alléluia, le diable n'a pas le dernier mot. Parce que les sorciers n'ont pas le dernier mot. Laisse-moi te dire que le film de ta vie a été tourné avant même que tu ne sois né. Dans le livre de Dieu, tous les jours qui te sont destinés sont écrits. Ils ont inscrit tout ce qui doit avoir déjà lieu avant même que tu ne sois né. Laisse-moi te dire que le match de ta vie a été déjà joué. Le match de ta vie a été déjà joué. Et le score dit que tu es plus qu'un vainqueur. Le score dit que tu es même plus qu'un vainqueur. Que ta note dépasse la note des vainqueurs. Que ton score dépasse le score des vainqueurs. La place que tu mérites, c'est la place de ceux qui sont plus que des vainqueurs. Je ne t'écoute pas dire amen. Est-ce que tu crois cela? Si tu crois, tu te repositionnes. Si tu crois, tu te repositionnes. Si tu crois, tu te relèves. De là où tu es tombé, tu te prépares pour ta gloire. Tu te lèves pour vivre ta gloire. Ça, c'est Dieu et qui te concerne. Viens en accomplissement. Viens en accomplissement. Viens en accomplissement. Je ne t'écoute pas dire amen. Ce qui n'est pas étonnant, c'est que concernant les jours qui sont inscrits dans ta vie, Dieu a prévu aussi des temps d'échec. Amen. Les jours qui sont inscrits concernant, Dieu a prévu aussi un temps d'échec. C'est pourquoi la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour triompher. Il y a un temps pour échouer. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour tout ça dans ta vie. Dieu a prévu un temps aussi pour tes échecs. Parce que l'échec est tellement important pour un individu. L'échec est tellement important pour ta vie. L'échec te permet d'apprendre. L'échec te permet de faire de l'autocritique. L'échec te permet de prendre un temps d'analyser ce qui ne va pas avec toi. Dans les temps d'échec. Alléluia. Amen. Tu découvres beaucoup de manquements, beaucoup de faiblesses,
beaucoup d'erreurs qui sont dans ta vie. Il y a certaines choses. Quand nous n'échouons pas, nous ne les réaliserons jamais. Si ta vie c'est seulement la victoire, la victoire, la victoire, il y a certaines leçons, tu ne la prendras jamais. Mais l'homme qui a échoué, c'est l'homme qui pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Vous savez, des fois nous faisons des erreurs, mais nous réussissons. Mais tant que tu réussis, tu n'apprends pas. L'homme qui échoue apprend mieux que l'homme qui réussit. Parce que l'homme qui échoue, il se met à cogiter. Il se met à réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Que dois-je améliorer? Où est-ce que j'ai fait d'erreur? Quelles sont mes faiblesses? Comment je dois remédier à cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Et celui qui échoue, on le critique. Vous savez, celui qui réussit, il est difficile de le critiquer. Il peut même te gifler quand tu le critiques. Il peut s'éloigner de toi quand tu le critiques. Vous savez, amen. Quand vous prenez un individu, hello, qui réussit, même il fait la prostitution, mais avec la prostitution là, il a des millions. Et millions on le sait. Amen. Amen. Il arrive à la maison. Dit maman, comment tu vas? Je suis venu. Mais va là. Amen. Amen. Parce que voilà, je vais changer ta condition. Et elle bâtit une maison flamboyante neuve. Une maison neuve. Elle met maman dedans. Yo, so mama, so da fia me. Hello. Amen. Elle pourvoit aux besoins des petits dans la maison. Hello. Yeah. La personne là est en train de faire, alléluia, la prostitution. Amen. Ala, elle a hasi wom. Est-ce que c'est facile de parler de ça? Est-ce que les parents arrivent à parler de cela? Amen. Amen. Tout réussit bien pour lui. Nous, il est difficile de le critiquer. Mais quand la personne là rencontre un problème, c'est alors que les gens trouvent l'opportunité pour lui parler. Que, mais toi aussi, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça là, c'est pas digne de toi. Oh, mais là, tu peux changer ça. Il faut changer ça. C'est-à-dire, même l'échec donne l'opportunité aux gens de te parler, de te critiquer et de te, alléluia, et de te reprocher. Alléluia. Yeah. Donc l'échec en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Yeah. Mais l'échec nous renvoie l'ascenseur de notre élévation. Quand tu apprends de ton échec, tu surmontes tes faiblesses. Amen. 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 Quand tu apprends de ton échec, tu surmontes tes faiblesses. Et tu te lèves. Alléluia. Amen. Même des fois au-delà de tes capacités. Hello. Amen. Parce que non seulement tu mets mieux en valeur tes capacités, mais tu reçois aussi la leçon des autres. Vous allez nous.
Alléluia. Amen. Cesse de pleurer parce que tu as eu des échecs. Sache que le Seigneur prépare ta gloire. Sache que le Seigneur prépare ta gloire. Sache que le Seigneur prépare ta victoire. Sache que le Seigneur prépare ton élévation. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu es un incapable. Mais parce que tu as échoué, tu es un homme qui a appris plus. Tu es un homme qui a appris davantage. Tu es un homme qui est plus équipé pour la victoire. Et Christ a un mandat royal pour toi. Le mandat royal, c'est le mandat qui tient de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Pour te faire régner. Pour te faire régner. Pour te faire régner. Pour te faire régner. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Alléluia. Je ne t'écoute pas dire Amen. Je ne t'écoute pas dire Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit était venu sur Marie, quand elle a conçu Jésus, elle a commencé par prophétiser. Il dit, Dieu a fait quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Et Marie parle du petit. Disant, il est celui qui renversera les trônes des puissants. Nous sommes les trônes des puissants. Cet enfant, quand il vient dans le monde, il tient un mandat de la part du Père. Il renversera les trônes des puissants et il élèvera les humbles. Il élèvera les humbles. Il élèvera les humbles. Jésus-Christ a un mandat reçu de la part du Père. Et le mandat la consiste en ton élévation dans le livre. Dans le livre qu'il tient, dans le rouleau que le Père a écrit pour lui, il est écrit dans ce rouleau-là. Alléluia. Amen. Que tu seras élevé, que Christ t'élèvera, qu'il doit venir t'élever, il doit venir te faire régner. Je ne crois pas que quelqu'un dire Amen. Amen. Christ a reçu un rouleau de la part du Père. Le foufou là, bon. Avant de lire par rapport à ce rouleau, lisez-moi s'il vous plaît dans Luc 1, le verset 51 à 55. Si tu es là-bas, dis Amen. Luc 1, verset 51 à 55. Luc 1, verset 51 à 55. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Verset 55. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Amen. Donc le verset 52 dit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Alléluia. Amen. Donc, amen. 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 Donc, Marie a lu le rouleau que Christ a reçu. Maria egle agbale ke Christo kwa. Parce que Christ en venant dans le monde. Elle a bien Christo yime ko va kiki amela. Le Seigneur a mis un rouleau dans sa main. Après toi soit agbale ade devasime.
Amen. Amen. Il est venu avec le rouleau qui lui a été donné. Si tu as compris, dis-moi amen. 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 Quand nous lisons dans Psaume 40, Salomon Psaume 40 nous parle de ce rouleau. Salomon Pagbalé Tablané, et pour Namiso Kunakbalé, on si. Dis-moi amen. Blanambe, amen. 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 Vous êtes là-bas. Psaume 40, verset 7. Salomon Pagbalé Tablané, réglé, amandrelia. Psaume 40, verset 7 à 8. Salomon Pagbalé Tablané, réglé, mais. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur, Psaume 40, verset 7 à 8. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Ça veut dire Dieu a écrit un rouleau qu'il a remis dans la main de Jésus. C'est le travail que Dieu lui a assigné. Il dit, alors je viens avec le rouleau que tu as écrit pour moi. Verset 8. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc Jésus est venu avec un rouleau, une recommandation. C'est le rouleau là qui est le mandat que Jésus-Christ a reçu nous concernant. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Hébreux, le chapitre 10, le verset 7. Amen. Hébreux chapitre 10. Amen. 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 La Bible dit là-bas. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Amen. Amen. Il est question de moi. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, Hébreux 10 nous précise que le rouleau dont on a parlé dans le livre de Psaumes, où la prophétie disait, je viens pour faire ta volonté. Le livre de Hébreux 10, le verset 7, nous éclaire que le rouleau là, il était question de Jésus-Christ. Donc quand on parle de rouleau, Jésus est venu avec un rouleau. Il est venu avec un mandat. Dans le rouleau là, ce qui doit se passer dans ta vie est écrit. Ce que Jésus doit faire dans ta vie est écrit dans le rouleau là. Comment ta vie doit finir est écrit dans ce rouleau là. Comment tu dois réussir est écrit dans ce rouleau là. C'est pourquoi laisse-moi te dire que c'est un projet de paix que le Seigneur a formé pour toi. Et non un projet de malheur. Même si tu souffres aujourd'hui comme un Joseph ou comme un David, tu rentreras dans ta destinée. Tu rentreras dans ta gloire. Tu rentreras dans ton élévation. Tu rentreras dans ta victoire. Je ne t'écoute pas me dire amen. Amen.
Donc il dit le rouleau, il s'agit bien de moi. Je suis venu avec un rouleau. Jésus est venu avec un mandat. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce rouleau là que Marie a lu. Parce que le Saint-Esprit lui a fait un briefing de ce que Jésus devait venir faire. Le Saint-Esprit lui a révélé une partie du rouleau là. Et Marie dit, c'est un enfant qui va renverser les puissants de leur trône et qui va élever les humbles. Je vois des humbles qu'il est en train d'élever. Je vois des gens qui ne sont pas considérés dans leur famille, dans leur société, mais qu'il est en train d'élever. Laisse-moi te dire, Jésus détient un rouleau, il détient un mandat, et c'est le mandat de ton élévation, c'est le mandat de ta gloire, c'est le mandat de la destruction des trônes des méchants. Si le trône du méchant n'est pas encore détruit dans ta vie, si le trône du méchant n'est pas encore détruit dans ta vie, maintenant que tu as pris connaissance du mandat que Christ a, maintenant que tu as pris connaissance, amen, des contenus du rouleau, tu peux maintenant l'activer. Tu peux maintenant le réclamer. Et ça va s'accomplir. Je dis, impuissant est renversé dans ta vie. Le trône d'impuissant est renversé dans ta vie. Le trône d'impuissant est renversé dans ta vie. Le trône d'impuissant est renversé dans ta vie. Je ne peux pas quelqu'un me dire amen. Je dis, je veux prier par rapport à ce rouleau avec lequel Jésus est venu. Il faut que les paroles de ce rouleau-là s'accomplissent dans ma vie. S'accomplissent dans ma vie. S'accomplissent dans ma vie. C'est le mandat divin pour ma vie. C'est le mandat que le ciel a reçu pour ma vie. Et le mandat là s'accomplit. Et le mandat là s'accomplit. Que quelqu'un dit le mandat là s'accomplit. Le mandat là s'accomplit dans ma vie. Le mandat là s'accomplit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas dire amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, Jésus a un rouleau dans la main. Et dans la phase spirituelle, toutes les paroles de ce rouleau sont déjà accomplies. Donc quand c'est accompli sur le plan spirituel, c'est ce qu'on dit que les sceaux du rouleau sont rompus. Alléluia. Amen. Alors, le livre est ouvert. Il y a certains qui rêvent. Dans leurs rêves, ils voient la Bible ouverte. Mon ami, quand je prie ou je vois une révélation, je vois la Bible ouverte et je deviens très tranchant. Les gens le voient, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, le livre là que tu vois, ce n'est pas la Bible, mais c'est le rouleau de Jésus. Et quand tu le vois ouvert, ça veut dire que toute la puissance pour l'accomplissement de ce rouleau-là est maintenant déployée. Je reçois la révélation là. Je vous enseigne des secrets. Quand je vois un rouleau ouvert, un livre ouvert, j'échange de prière. Première chose, si je sais, parce que souvent le Seigneur donne le signe aussi. C'est pourquoi
Le rouleau là est ouvert. Certainement, c'est à propos de la prière que tu es en train de faire. Mais si c'est pour un objectif, il te dirige aussi pour que tu le saches. Donc, quand je sais, amen. Amen. Parce que j'ai vu que le livre est ouvert. Ça veut dire que la puissance est déployée. Donc ce n'est plus le moment de prier. Seigneur, au nom de Jésus, accomplis ceci. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare ceci. Non, ce n'est plus le moment. Parce que la puissance est déjà déployée. Quand tu retournes dans Genèse 1, verset 1 à 2, la Bible dit au commencement. Bible a belle gomme Jésus mais alléluia. Amen. Elohim. Elohim. Ou les dieux. Allô mawo. Alléluia. Amen. Créer les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. Ça revient à cela. Et la puissance est déployée. L'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Que la terre soit. Et la terre fut. Quand tu vois le rouvet, c'est le moment de donner des ordres. Que ceci soit. Je déclare qu'il en soit ainsi. Que ceci s'accomplisse. J'appelle à l'existence ceci. Je déclare que ceci s'accomplisse. Quand tu vois le livre ouvert, on fait exercice d'autorité. Tu dois exercer l'autorité. Parce que la puissance est déjà déployée. Donc elle attend seulement une seule parole de ta bouche pour s'accomplir. Donc ce n'est pas juste. Que en ce moment, tu commences encore à prier. Oh Seigneur, agis. Oh mon Dieu, agis. Oh papa, agis. Parle. Décrète. Déclare. Ce qui doit s'accomplir. Et nous, qu'elle a donné là. Ce qui doit avoir lieu. Et nous, qu'elle la femme. Dis-le. Blin. Dis-moi amen. Blanam be amen. Je vous enseigne. Mais les nous fiamos. Il y a des choses quand je vois. Et nous on l'aime me quoi. Quand le Seigneur m'ouvre les yeux, je vois. Na fait toi pour nous quoi me quoi. Je change de prière. Mais trop na gbedo dora. Mais ce que je dis s'accomplit. Il est nuit que me gbedo dona nous si là. Parce que la puissance est déjà déployée. Et la bena nous si au de go ho ho. Il faut savoir profiter de Dieu. Na nyale ke na tema po vide à la tema. Mais si tu n'as pas la connaissance. Na nyebe si je dis à me soisi o. On a appelé Samuel. Oh ya Samuel. Samuel! 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 Au lieu de répondre, il me dit quoi? Mon Seigneur, me voici. Après ton nyenye si. Pour que Dieu lui parle. Et moi, on va nous dire. Hello. Amen. Il a plutôt couru vers son maître. Et il est fait ton bon. Maître, tu m'appelles. Après ton nyenye. Et quand le maître a compris que Dieu est en train de l'appeler. Et il me dit après toi, c'est gomme bena, ma ou le yo. Regarde ce que le maître a fait. C'est lui qui après toi, voilà. C'est Dieu qui t'appelle. Et ben ma ou le yo. Quand il t'appelle désormais, dis Seigneur, me voici. Et il va te parler. Après avoir enseigné à l'enfant, regarde ce que le maître lui dit. Seigneur, jure-moi que ce que Dieu va te dire, tu vas me le dire exactement. Que Dieu te traite dans sa rigueur. Si tu ne me le dis pas. Et le petit a juré. Mais si c'est quelque chose de caché que Dieu veut dire à ce petit-là. Hello. Yeah. Amen. Amen. Et ça ne concerne pas Élie. Hello. Amen. 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 Ce que le maître a fait avec l'enfant, c'est pas bon. Et lui que après toi au clé de vie à la menu. Il a enseigné l'enfant, c'est bon. Et fier nous de vie à nous. Mais maintenant il a obligé. Fifiazon est zizi. Pas serment.
de revenir dire tout ce que Dieu va lui dire. Si c'est un secret de la vie de Samuel et qui ne doit pas être révélé, en ce moment le petit va faire comment? Hello? Donc ce qui fait que Dieu a dit des secrets au petit, mais il est obligé d'aller rapporter à son maître tout ce que Dieu lui a dit. Vous savez pourquoi? Amen. Yeah. Parce qu'il y a manque de connaissances. Chaque manque de connaissances est une porte ouverte sur ta vie par lequel l'ennemi peut t'avoir. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la connaissance gère mieux sa vie. Amen. Mais celui qui n'a pas la connaissance, on abuse de lui. Et lui-même s'abuse. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Je ne t'écoute pas dire amen. Donc par rapport au mandat que Jésus-Christ a reçu à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Tout est accompli. Ça veut dire sur le plan spirituel tout ce qui est écrit dans ce rouleau-là qui dit que les puissants seront renversés de leur trône. Qui dit que alléluia, amen, les puissants seront renversés de leur trône. Qui dit que il va élever les humbles. Ça veut dire en d'autres termes que la parole là s'est accomplie. C'est pourquoi dans Colossiens 2 le verset 14 à 15 la Bible dit il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a livrés publiquement en spectacle. Il n'est pas dit là-bas qu'il a dépouillé les autorités spirituelles. Il a dépouillé les dominations spirituelles. Non. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations. Ça veut dire toute domination physique et spirituelle est dépouillée. Toute autorité physique et spirituelle est dépouillé. Donc ce qui est écrit, qu'il renversera le trône des puissants, est accompli à la croix. Est accompli à la croix. Je dis le trône de la sorcellerie a été renversé à la croix. Le trône des esprits des eaux a été renversé à la croix. Le trône des méchants dans ta vie a été renversé à la croix. C'est pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus que tout trône qui se lève contre ta vie par la puissance de la croix, par la puissance de la croix, par les armes de la croix, je déclare le trône l'a brisé, le trône l'a brisé, le trône l'a brisé, le trône l'a détruit au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire amen. Là, on dit, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, les yeux, les gens, les yeux rivés sur les démons. Tu vois démons partout. Des fois, les autorités qu'il a dépouillées là-bas aussi. Et c'est pas seulement les démons. Mais le monsieur là dans ta famille. Qui est parti vendre la famille dans la sorcellerie. Devant le trône ancestral. Pour pouvoir dominer sur la famille. Alléluia. Amen. Le Seigneur a renversé son trône. Le Seigneur a renversé son trône. Le Seigneur a dépouillé le puissant. Il a renversé le trône des puissants. Je ne t'écoute pas dire amen. Amen. Ouvre ton entendement.
vous, aux diverses possibilités qui sont dans le Seigneur. Souvent, nos visions limitent la portée de la parole. On dit il a dépouillé les dominations. Maintenant toi tu penses seulement aux démons. Il ne s'agit pas que des démons là-bas. Je dis, celui qui s'est emparé de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Celui qui s'est emparé de tes biens. La Bible dit il a dépouillé les dominations. Peut-être cette personne t'a raflé tes biens parce qu'il domine sur toi. Mais le Seigneur est en train de le dépouiller. Le Seigneur est en train de prendre ce qu'il a pris de toi. Et le Seigneur est en train de ramener ce qu'il a pris de toi. Je ne t'écoute pas dire amen. Donc ouvre ton entendement à toutes les réalités, à toutes les éventualités, à toutes les probabilités qui sont dans le Seigneur. Ne ferme pas ta vision par rapport à la parole. Ouvre-toi et comprends qu'à la croix, le Seigneur a dépouillé ton oncle là, il a dépouillé ta tante là, il a dépouillé le méchant là. Alléluia. Qui s'est approprié de ta bénédiction, qui s'est approprié de ton étoile, qui s'est approprié de ta gloire, qui s'est approprié de ta vie. Toi, qui s'est approprié de tes promotions, il est dépouillé au nom de Jésus. C'est pourquoi des fois quand quelque chose m'appartient et puis quelqu'un fait forcing pour me les prendre, c'est étonnant, mais des fois je souris. Mon ami, moi je peux partir. Mais je sais que ce que tu as pris me reviendra. Ça me reviendra. Mais tu seras dépouillé. Parce que tu as touché à une autorité. Tu mérites, amen, des sanctions. Alléluia. Amen. J'étais parti à la prière. Mais il y a un avec des amis. Alléluia. Yeah. Le lieu où nous devons prier. Nous étions partis là-bas. Amen. Amen. C'est une place publique. Bajadie. J'ai déposé mon sac. Amen. Amen. Et puis nous avons commencé par prier. Mais avant de se rendre compte, les voleurs sont venus partir avec mon sac. Je n'ai pas vu quelqu'un s'approcher. Personne n'a vu quelqu'un s'approcher de nous. Mais les voleurs ont été tellement rusés qu'ils sont venus prendre le sac qu'on n'a pas remarqué. Quand on a terminé la prière, on devait partir. Où est mon sac? Je ne l'ai pas trouvé. J'avais ma carte, j'ai plein de choses dans le sac. Amen. Amen. Et mes amis me posaient la question. Alléluia. Amen. Maintenant, comment tu vas faire? Mais on a volé ton sac. Amen. Amen. Et je leur ai dit, si c'est l'argent qui était dedans, je ne vais pas me plaindre. Mais mes pièces qui sont dedans, je ne peux pas me taire. Et les amis me disent, maintenant on va faire comment? Il a dit, le monsieur qui a volé va me rejoindre à la maison. Je m'en vais à la maison, mais il me rejoint. Les amis me disent, tu dis quoi? Je dis, je m'en vais à la maison, le monsieur me rejoint. Amen. Et avant que je n'arrive à la maison,
Parce que nous étions en train de causer. On marchait. Je suis arrivé à la maison. Et on m'a dit que un monsieur est venu te chercher. Et on lui a posé la question. Pourquoi tu le cherches? Le monsieur dit non, il me cherche en personne. On dit mais peut-être je serai à l'église. Le monsieur a dit indiquez-moi l'église. Et on lui a indiqué l'église. Donc le monsieur est parti à l'église. Moi je suis venu à la maison. On me dit un monsieur est venu te chercher. Amen. Amen. Alléluia. Yeah. Il dit il cherche quoi? Et nous aussi on ne sait pas. Mais on lui a dit que tu serais à l'église. Donc il n'a qu'à partir te chercher à l'église. Amen. Amen. Je dis ok, je vais me rendre à l'église. Amen. Amen. Quand je suis arrivé à l'église, on me dit à l'église, il y a un monsieur qui est venu te chercher. Amen. Amen. Je dis quel est son nom? On n'a pas laissé de nom. J'ai dit, il cherche quoi? Il est venu déposer ton sac. Il est venu déposer le sac. Qu'il a trouvé ton sac, il est venu te ramener ton sac. Donc les amis avec qui j'ai marché, et je leur ai dit que le monsieur va me suivre pour me ramener mon sac. Tout le monde était étonné. Il a ramené le sac. Alléluia. Amen. Pose la question à ton prochain. Pourquoi tu adores Jésus? Amen. C'est parce que nous ne réalisons pas qui est Jésus. Et nous ne réalisons pas ce que ce Jésus-là peut nous faire. Et tu es à côté de, alléluia, et de l'eau. Et tu meurs de soif. Caca le jacuzzi, tu kowa me beku. Bon le vudoto. Tu es, alléluia, hein, au bord du puits et tu veux mourir de soif. Amen. 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 C'est ce qui fait que mes amis avaient peur de moi. Hello. Yeah. Amen. 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 Je crois en ce Jésus. Me connaissez Jésus, ma Dieu. Je l'ai dit, ça s'accomplit. Me blonnez don à nous je ne t'écoute pas me dire amen. Je ne t'écoute pas me dire alléluia. Mais ne alléluia. Je dis que le mandat divin s'accomplisse dans ta vie. Mais ben tu peux la Bible dit le petit est venu pour renverser les puissants. Bible la Bible dit viens venir avant mon nous c'est ton poignet. Et pour relever les et à la croix, il a crié, il a dit, tout est accompli. I'm so excited. Je suis excité. Amen. Amen. Si vraiment, ce n'est pas faux. Que c'est vrai que Jésus a déjà tout accompli. Mon ami, tout trône de méchant dans ma famille, dans ma vie, je dis ce soir c'est renversé. Ce soir c'est renversé. Ce soir c'est renversé. Ce soir vous allez chercher certaines personnes, vous n'allez plus les trouver. Je dis, tu vas chercher certaines personnes, tu ne vas plus les trouver. Je dis que le trône des méchants soit renversé dans ta vie. Que le trône des puissants soit renversé dans ta vie. Je ne peux pas crier yes. Jesus. Mon ami, si tu crois. Hello. Si tu crois.
Ça va s'accomplir. Même si c'est 5 minutes de prière en fait. Ça va s'accomplir. Alléluia. Je dis, quelqu'un qui adore un semblant de Dieu. Il adore quelque chose qui n'est pas Dieu. On dit que le voleur est venu voler dans sa maison. Et la personne la sourit. Il dit le voleur va ramener cela. Amen. Amen. Un voleur est venu voler dans notre maison. À l'époque, j'étais tout petit. Amen. Amen. Mais mon papa était vivant en ce moment-là. Et ton yéla bega popo Hello. Yeah. Mon papa n'a pas connu Jésus. Et ton yéma koyesuo. Lui il a connu le vaudou. Et un vaudou yonya. Mais quand le voleur est venu voler, et il me fia, si va, si nous la le voleur est resté suspendu aux fenêtres. Oh, fia, fia, tifle, si an, nous me le matin quand on s'est réveillé, et il me comme, fondi, me, on a vu un monsieur en train de sourire suspendu à la fenêtre. Mie, quoi, soirée, le, nous, comme, le, fle, quand on a vu le monsieur, et il me comme, quoi, nous, soirée, monsieur. Lutu. Que fais-tu ici? Pourquoi elle est le film? Il sourit. Elle est connu. Monsieur. Lutu. Tu fais quoi en haut là-bas? Et pourquoi elle est le film? Il sourit. Elle est connu. Et ça, c'est qu'elle a fait. On a couru pour aller appeler notre maman. Mais pour tu veux, Yomian. Maman est venue le voir. Eh bien, on va quoi? Il dit, monsieur. Mais nous tous. Tu fais quoi là-bas? Où qu'elle est, le film? Il sourit. Elle est connue. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dit, l'aima spirituel a attrapé. Bon, mais vous êtes mal. Hey! Hello! Et puis, ma maman dit, il faut qu'on aille appeler mon papa. Eh non, il y a bien, il y a Tova. Hello! Et on est parti appeler le vieux. Eh, mi ve, il y a Tova. Quand le vieux est arrivé, il a monté en haut, il a touché le monsieur, et le monsieur a laissé la fenêtre, le monsieur a commencé par marcher. Il dit, tu es venu faire quoi? Il dit, ah, je suis venu voler. Et puis, mon papa lui dit, suis-moi. Mon papa marche et le voleur le suit. Et il a amené le voleur au poste de police. Le voleur n'a pas fui. Quelqu'un qui adore un semblant de Dieu. Maintenant, je parle que j'adore le Dieu vivant. J'adore le Dieu vivant. Quelqu'un dit j'adore le Dieu vivant. Et mon Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que le Dieu la démontre. Et je vais lui dire que j'ai un grand Dieu. Hey, si mon Dieu est Dieu, je dis ce soir que tout trône de méchanceté soit brisé dans ta vie, 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 par le puissant de Jésus. Hey, ce sont de bavarder. Paul dit, hein, Paul Benane, ma parole n'est pas une parole de sagesse et de connaissance. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Soit ton Dieu est Dieu, soit ton Dieu n'est pas Dieu. Point final. Bon. Cesse de bavarder. Dis un nouveau popo. Cesse de bavarder. Dis un nouveau popo. Qu'est-ce que tu crois que ton Dieu peut faire? Alléluia. Yeah. Ton Dieu est dans une boîte de sardines. Moi où aller sardine? Où ton Dieu est au-dessus des vaudous? Alors moi coco vaudous? Où ton Dieu est au-dessus des sorciers? Alors moi coco quoi? Si tu crois qu'il est au-dessus des sorciers, si tu crois qu'il renverse le trône des méchants, des puissants, s'il te plaît, mets-toi sur tes deux pieds. Mets-toi sur tes deux pieds. Ce que tu crois, tu vas le commander. Ce que tu crois, tu vas le décréter. Tu crois, hey, assez, c'est assez. Hey, tu as assez pleuré. Maintenant, lève-toi et
commandements. Tu as assez crié. Tu as assez souffert. Maintenant, lève-toi et change les choses. La parole de Dieu, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et tu ne commences pas à déclarer. Commence pas à proclamer. Commence pas à renverser les trônes là. Commence pas à briser les trônes là. Commence pas à prier maintenant. Je ne t'écoute pas prier. Je ne t'écoute pas prier. Je ne t'écoute pas prier. Élève la voix et élève la voix et décrète. Élève la voix et confesse. Au nom puissant de Jésus, parle maintenant, parle. Parle maintenant, parle. Prie maintenant, Mon ami, écoute-moi bien. Je ne suis pas en train de prier pour qu'un trône soit brisé. Écoute-moi bien. Jésus-Christ a reçu un rouleau, un mandat qui dit que lui, il doit briser les trônes. Et à la croix, il a crié que tout
C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans le rouleau. Et est accompli. Amen. Il a parlé comme un homme qui a des objectifs. Et un homme qui a accompli ses objectifs. Il a accompli le mandat. Donc Jésus a déjà brisé le trône là. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. C'est pourquoi la Bible dit il a dépouillé les dominations, les autorités. Ce que toi et moi nous faisons, nous sommes en train d'activer la victoire là. Amen. Tu l'actives, tu le proclames dans ta vie, tu le déclares et tu le décrètes dans ta vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais si tu crois en ce sacrifice de la croix, je dis ce que tu crois s'accomplit. Ce que tu crois s'accomplit. Ce que tu crois s'accomplit. Un méchant est renversé dans ta famille. Un méchant est enlevé de ta famille. Un méchant est enlevé dans la nation. Un méchant est enlevé. Le roi Salomon a fait un constat. Il dit les choses ne sont pas en ordre. J'ai vu les princes marcher à pied. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux. C'est le constat de Salomon. Prince marchant à pied. Esclave sur des chevaux. Jésus est venu. Il dit, je renverse le trône des puissants. Je renverse le trône des puissants. Ceux qui marchent à pied, qui sont humbles. Je les relève. C'est-à-dire, l'ordre qui a été détruit. Jésus est venu restaurer l'ordre là. Non pas l'acte que Jésus a posé. La tête doit te revenir. La tête doit te revenir. Le premier rang doit te revenir. La première place doit te revenir. Vous savez, certaines personnes ont été dépouillées de leur intelligence. De leur bénédiction spirituelle. Donc même dans tes apprentissages, tu ne peux pas faire d'exploit. Mais à partir de cette prière, tu deviendras brillant. Amen. La clé. Ton intelligence revient. Ta sagesse revient. Si ta connaissance revient. Amen. Alléluia. Amen. Une restauration totale. C'est pourquoi le Seigneur a dépouillé les dominations. C'est-à-dire ce qu'ils ont pris de toi pour que tu ne règnes pas. Il les a dépouillés. Il t'a racheté toi. Tous les prix.
que tu dois payer et qui fait que tu ne peux pas régner. Il a payé le prix aussi. C'est-à-dire il a rempli toutes les conditions pour que tu retournes sur ton cheval. C'est pourquoi tu vas prier maintenant que tous ceux dont j'ai été dépouillé, je les récupère. Je les récupère. Je récupère mon étoile. Je récupère ma gloire. Je récupère mon intelligence. Je récupère mon élévation. Je récupère tout cela. Je récupère ma richesse. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas déclarer. Je récupère ma couronne. Et je récupère mon cheval. Je récupère ma couronne. Et je récupère mon cheval. Alléluia. Yeah. La couronne, ça concerne tout ce qu'il y a. D'ornement. Voyage. Alléluia. Yeah. Et le cheval concerne tout ce qui concerne ton investiture en tant que roi. Alléluia. Yeah. Une chose, c'est d'avoir les qualités du roi. Et une autre chose, c'est d'être investi roi. Donc, je récupère ma couronne. Je récupère mon cheval. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux faire la prière là? Il faut voir, tu es déjà sur le cheval là. Il faut te voir sur le cheval là. Il faut te voir sur le cheval là. Prie maintenant au nom de Jésus. Lève la main, prie.
Écoute-moi bien. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? La Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang. De tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Alléluia. Et il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Afin que nous régnions sur la terre. Vous voyez? Donc, ça, tout ça la confirme toujours. Que c'est à la croix. Que c'est à la croix. Que c'est par son sang. Qu'il t'a racheté. Et il a fait de toi roi. Ce n'est qu'une confirmation de la parole. La Bible se confirme elle-même. On ne force pas la parole de Dieu. Quand elle est une révélation, elle se confirme. Alléluia. Yeah. Romains 5, 17 nous dit, nous qui avions reçu le don de justice et l'abondance de la grâce, comment ne régnerons-nous pas dans ce monde par Jésus-Christ, lui seul? Comment? Quelqu'un va prier. Tu vas déclarer. Dans ma famille. Dans ma maison. Dans la nation. Je m'assis sur mon trône. Je règne. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Au nom de Jésus. Proclame cela. Déclare cela. Proclame cela. Déclare cela. Déclare-le. Proclame-le. Décrète-le. Au nom de Jésus. Déclare-le. Proclame-le. Décrète-le. Au nom de Jésus. Car Christ t'a racheté par son sang de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Il t'a établi sacrificateur et roi afin que tu règnes sur la terre. Au nom de Jésus, selon sa parole, selon son mandat, je déclare que je règne car je suis racheté. Il a payé le prix par son propre sang. Au nom de Jésus, sur tout hôtel, dans la famille, tout hôtel, tout trône, dans la lignée, j'invoque le sang de l'agneau. Je déclare que Christ m'a racheté. Il a payé le prix afin que je règne. Au nom de Jésus, je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. Déclare, décrète, déclare, décrète, déclare, décrète. Amen. Amen. On va faire une dernière prière.
Le méchant dans ta maison. Mais vous dites que la qui est assis sur le trône. Et qui contrôle la famille. Qui contrôle la maison. Qui contrôle la nation. À tous égards. Le goût de si tu vas prier. On va faire une prière. Tu vas commander à son trône de descendre dans le séjour des morts. Amen. Amen. Ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent établir leur trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que son trône descend au séjour des morts. Que le trône de tout méchant qui te combat pour que tu ne lèves pas la tête dans ta maison, dans tes relations, dans ton boulot, que son trône descend au séjour des morts, descend au séjour des morts, descend au séjour des morts, que son trône descend dans l'abîme au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus Christ. Cherche son règne, qu'on ne le trouve plus. Qu'on cherche son trône, qu'on ne le trouve plus. Que son trône descende dans le séjour des morts. Que son trône descende dans l'abîme. Au nom de Jésus, déclare. Au nom de Jésus, déclare. Tu vas maintenant déclarer. Je me lève sur mon trône. Et mon trône s'élève. Au-dessus des trônes des méchants. Au-dessus des trônes de mes semblables. Au nom puissant de Jésus, déclare sur ta propre vie, déclare sur tes enfants, déclare sur ton mari, ta femme, déclare sur tes enfants biologiques, déclare, Seigneur, je les déclare sur mes enfants spirituels, je les déclare sur mes enfants biologiques, Seigneur, leur trône s'élève, ils règnent au milieu de leurs ennemis, ils règnent au milieu de mes ennemis, je règne au milieu de mes ennemis, je règne au milieu de mes ennemis. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas.
proclame au nom de Jésus. Déclare cela, proclame cela. Déclare cela. Il n'y a pas de Jésus. 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 Lève les deux mains, dis-lui merci. Lève les deux mains, dis-lui merci. Parce qu'il a pris contrôle. Il s'est glorifié dans ta vie. On dit qu'on mais mais kafu me dorochi ni kafu ape ape kokito ape hobubu on chikokui mais bou mais kafu me dorochi bubu na uko ape na ora dorochi na ora kafu na ora mabubu on chikokui dis-lui merci mais kafu me dorochi avant que tu ne retournes à la maison afinaya femea impuissant sera retranché. Impuissant sera renversé. Au nom de Jésus. Le Seigneur au contrôle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Remue les deux mains. Vous vous voici, Vionne. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Blané Bakbe. Dis-lui merci. Blané Bakbe. Dis-lui merci. Blané Bakbe. Dis-lui merci. Blané Bakbe. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh, tu verras ma gloire. Merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Blané Bakbe. Dis-le merci. Blané Bakbe. Parce que tu crois qu'il a fait. Il avait de quoi se faire. Il y a la chanson là qui dit. He had a little blame. He has become my salvation. Il est devenu mon salut. He has become
My salvation. Il est devenu mon salut. The Lord is my strength. My soul. Lève les deux mains, lève les deux mains, dis merci à l'Éternel, il a fait pour toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci. Merci Dieu de gloire. Parce que tu l'as accompli. Mon ami, si tu as prévu ou préparé une semence pour sceller ses prières, je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à prier. He's my strength and my soul. Oh. The Lord is my strength and my soul. Tu peux lever ça vers le Seigneur. Dieu de gloire. Merci parce que tu rétablis quelqu'un dans son règne. Merci parce que tu rétablis quelqu'un dans sa gloire. Merci parce que tu rétablis quelqu'un, Seigneur, dans sa puissance. Merci parce qu'il règne au milieu de ses ennemis. Merci parce que tu l'élèves, Seigneur. Et le trône des méchants descend dans le séjour des morts, dans l'abîme. Merci parce que tu élèves sa main et tu exerces sa main à la bataille. Merci parce que tu lui accordes la victoire. Il est la tête en toi. Le mandat divin que Christ a reçu est accompli dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, je ne coupe pas quelqu'un dire Amen. God bless you. Alléluia. Tu peux venir déposer cela. Que le Seigneur te bénisse. In the name of Jesus. God bless you. God bless you. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur ta vie. Puissant de notre Seigneur Jésus. Les épées des cieux soient ouvertes. Que la pluie d'en haut, au nom puissant de Jésus, arrose ta terre. Que ton règne soit établi. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'élève au-dessus de tes semblables. Que ton trône soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire.
Nous bénissons ton Saint-Nom. Sois loué, sois exalté. Parce que tu as accompli tes grands œuvres dans nos vies. Au puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. God bless you. Comme je l'ai dit à quelqu'un. Hello. Yeah. Le dimanche. Si tu veux faire ta semence le dimanche aussi, tu peux le faire. Alléluia. Tu le fais librement. Selon que le Seigneur le met sur ton cœur. Parce que c'est en ça qu'il y a la bénédiction. Il faut apprendre à donner à Dieu, à s'aimer, mais il faut le faire librement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Le dimanche, nous allons prendre le repas du Seigneur. On se prépare en fonction. Alléluia. Amen. 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 Si quelqu'un me suit en direct, amen, et voudra participer aussi, tu peux nous embosser pour suivre les instructions. Et que le Seigneur te bénisse. Sois richement comblé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons, amen, terminer. Amen. En faisant l'offrande ordinaire que nous faisons et en recevant en même temps la dernière bénédiction. Tu nous bénis et tu nous donnes l'opportunité de présenter nos offrandes. Que les bénédictions célestes, que la rosée vivifiante, la rosée de l'air monde, Seigneur, soit notre portion. Au nom puissant de Jésus, donne-nous à avoir part à la graisse du sol, à la graisse du sol, à la graisse du sol. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Quand nous quittions ici, nous ne quittions pas ta présence. Conduis-nous dans nos lieux respectifs et que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée chez vous. Bonne nuit. Et on se retrouve le dimanche.
que Dieu te bénisse. Sois en état de prière le dimanche. Alléluia. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Amen. Sois en jeu de prière jusqu'à midi. On va continuer. Que Dieu vous bénisse. Shalom. 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 Bye bye.